Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas d'intro, mais le fait de faire ça ressemble quand même beaucoup à une intro, donc il y aura une intro. Mes chers amis, bien le bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Oui, je sais ce que vous allez vous dire. Tiens, Jojo, il a une petite mine aujourd'hui. Et pour cause, puisque hier, nous sommes allés voir le grand-père de Cédric au service funéraire. Et ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, hein. Tous ceux qui ont vécu un décès, je pense que vous savez tous ce que l'on ressent à ce moment-là. À l'exception d'une chose, c'est que quand on est quelqu'un comme moi d'un petit peu bizarre, aller dans un service funéraire, c'est franchement une épreuve. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé deux trois bricoles qui font que voilà. Mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse déjà par soutien pour Cédric. Et puis je sais que si je l'aurais pas fait, je l'aurais peut-être regretté. Et puis je me devais d'être là aussi. Et pour plein de raisons. Pour plein de raisons aussi, il fallait que j'affronte certains démons que j'ai par rapport à la mort. Parce que bon, je vais arrêter là, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On n'est pas là pour plomber l'ambiance, hein, mais c'est important pour moi quand même que vous le savez, j'ai toujours joué la transparence avec vous, et sur ça, jamais ça ne changera. Je suis un être humain, avec des émotions, des sentiments, je peux pas être au taquet tout le temps, je peux pas toujours faire le pitre, je peux pas toujours être joyeux, etc., etc. Voilà. Ce qui m'empêche pas qu'on va faire une bonne vidéo et que tout va bien se passer, j'en suis sûr. Voilà. Bon, écoutez les amis, aujourd'hui ce sera bibliomancie. Pourquoi? Parce que ce week-end j'ai reçu un petit cadeau de ma Lily Fasmo à qui je fais des gros bisous. Petit cadeau auquel je m'attendais absolument pas et qui m'a beaucoup touché parce que dans une des dernières vidéos je vous avais dit à quel point j'adorais les petits livres oracles et elle a réussi à en dégoter un que je ne connaissais pas, que j'avais pas vu et qui est franchement au top et qui colle tellement bien je trouve avec ce que je suis en train de faire en ce moment. Vous le savez, je suis en train de travailler sur Alice et je suis en train de préparer plusieurs choses sur le monde d'Alice que je vous laisserai découvrir, je vais rien vous spoiler. Et du coup, bah voilà, je montre la couverture, il s'agit de pose une question au livre, il te répondra. La couverture sur un fond noir avec le croissant de lune et puis Angel, hein, comme ça, qui domine sur la lune, hein, de façon très, très noble, très, très prétentieuse, égale à elle-même. Mais surtout, ce petit livre, il est super sympa, regardez, je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment pour le coup le livre oracle par excellence. C'est-à-dire que y a même pas d'intro. Dès que vous ouvrez le livre, dès la première page, vous avez en fait une prédiction. Je trouve vraiment super bien fait. Bah, c'est vraiment un petit livre oracle, quoi. Donc je le connais pas, je connais pas le type de réponse qu'il a. Donc on verra. Vous poserez une question parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de oui, non, pas du tout, peut-être, etc. Donc je pense que ce petit livre pourrait bien faire l'affaire pour répondre à une question précise. Par oui ou par non, il semble pas offrir des réponses ouvertes. Donc, je pense que je vous demanderai de vous orienter vers une question fermée. Voilà. Mais à vérifier, hein, à vérifier, parce que ça va être son baptême du feu pour lui. Voilà. Bon, je vous rappelle aussi que le rituel participatif est ouvert. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer le principe du rituel participatif, parce que j'ai pu voir dans les commentaires que certains n'avaient pas compris de quoi il s'agissait.
Alors, je vous rappelle que ça fait maintenant quelques mois que je propose des vidéos sur les sabbats lunaires et je me suis dit que plutôt que de garder ma magie pour moi, certaines personnes n'ont pas forcément ni le temps, ni le matériel, ni la place, ni ou peut-être tout simplement pas l'envie par peur des conséquences ou quoi que ce soit. Donc du coup, je vous ai proposé que ce soit moi qui vous fasse les rituels de pleine lune selon bien sûr les constellations qu'elle va traverser, les énergies qu'il y aura, etc. etc. Par exemple, le mois dernier, pour janvier, on avait fait un rituel pour briser les liens avec le passé, nettoyer entre guillemets son karma, se débarrasser des choses négatives pour permettre de prendre un nouveau chemin plus propre pour 2022. Et pour cette pleine lune du mois de février qui va traverser la constellation du Lion, donc ça sera le 16 février, donc je ferai le rituel le 16 février. Vous avez donc jusqu'au 16 février. Grand maximum jusqu'à 17-18 heures, quoi. Au moment où, bah, quand je vais enregistrer la vidéo, il sera trop tard pour me dire je veux participer au rituel, hein, puisque moi j'ai des achats à faire. Et pourquoi rituel participatif? Puisque je vous demande en fait de me verser juste 5 euros sur mon compte PayPal, virement entre proches s'il vous plaît, et pas entre professionnels, parce que PayPal me prend des frais dessus. Et le problème, c'est que ces 5 euros contribuent à l'achat des matériaux, des matières premières, des accessoires dont j'ai besoin. Vous l'avez vu avec le rituel de janvier dernier, hein, que j'avais besoin de certaines choses. Et du coup, ce rituel est participatif dans le sens où ces 5 euros contribuent à votre inscription au rituel. Donc c'est très simple pour vous inscrire au rituel. Je vais vous expliquer ensuite quelle sera la thématique du rituel du 16 janvier. Donc vous avez mon lien PayPal dans la barre d'infos. Hein, vous avez le titre avec un petit plus ou une petite flèche. Vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante et vous avez mon lien PayPal dans la description. Sinon, vous tapez tout simplement mon adresse mail oeildanslenoir@gmail.com. Ça va automatiquement vous proposer mon profil et puis bah, vous faites simplement 5 euros via proche et vous mettez votre prénom, votre nom de famille. Alors rassurez-vous, rien ne sera divulgué. Hein. Vous l'avez vu pour ceux qui avaient participé au rituel le mois dernier, vos noms et prénoms n'étaient pas mentionnés. Mais j'avais fait entre guillemets l'erreur de vous demander juste un prénom ou un pseudo et en fait j'ai réalisé que plusieurs personnes portaient les mêmes prénoms donc. C'était un petit peu compliqué, même si moi j'avais un retour par rapport à PayPal, mais PayPal c'est pas toujours évident en termes d'identité. Donc vous me mettez juste votre prénom et votre nom dans le petit message des 5 euros pour que je sache exactement bah, à qui j'ai affaire et pour que je puisse le marquer sur le petit papier ou graver sur la bougie, etc. Voilà. Donc pour le rituel du 16 février. Ça va être un rituel basé sur les relations sociales pour vous permettre de vous mettre en relation avec d'autres personnes, pour favoriser les projets, réaliser, concrétiser certains projets, pour aussi mettre en bouteille. Je pense qu'une certaine personne saura de quoi je parle. Pour mettre en bouteille certains mots MAUX qui vous empêchent de faire des rencontres, comme par exemple la timidité, les choses voilà comme ça qui vous bloquent un petit peu et qui empêchent que vous puissiez évoluer dans le monde social, faire des nouvelles rencontres, vous aider à rencontrer, à décrocher par exemple des entretiens d'embauche, rencontrer d'autres personnes avec qui vous pouvez échanger. Ça peut être des personnes par exemple en lien avec l'administration pour vous aider à réaliser un projet, etc. Voilà, ce rituel est pour favoriser ce type d'énergie-là, pour vous aider à vous déployer et à vous développer et lever un petit peu les blocages qui pourraient vous retenir. Donc vous avez jusqu'au 16 février, maxi 17-18 heures pour vous inscrire et participer au rituel. Voilà, vous avez toutes les infos maintenant. Bon, eh bien les amis, on va pouvoir maintenant passer à notre tirage, puisque comme d'habitude, je voulais pas faire d'intro et puis j'ai fait 10 minutes de blabla. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de parler. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser nos livres oracles. Je commence à avoir de sérieux problèmes parce que s'il en sort toutes les 2 minutes des livres oracles et que vous m'en envoyez un en cadeau de temps en temps, on va se retrouver bientôt dans les vidéos avec 20 livres. Ça va pas être possible. Donc comme d'habitude, j'utilise les 2 livres de Georgia Routsis Savas à savoir le livre des oracles et l'oracle de l'amour. On va utiliser les livres du Lotus éléphant. Le Lotus, c'est quoi? Le Lotus et non, c'est le Lotus et l'éléphant. C'est pas le Lotus éléphant, c'est le Lotus et l'éléphant.
Je connais pas cette impression, hein, je vous l'ai dit, enfin cet éditeur, mais ils font des petites choses qui sont très sympathiques, à savoir Mon Petit Oracle Quotidien et L'Instant Magique, qui en plus, lui, nous donnera un petit rituel. Lui, il est vraiment pas mal du tout. Franchement, j'adore les trois que j'ai, mais celui-ci, il a une petite mention en plus, parce que comme il y a des petits rituels magiques, il est sympathique. On utilisera donc le livre de Malili. Qu'est-ce que... Il est où? Et je l'ai pas sorti. On utilisera notre grimoire des oracles de Sylvain Ouary. Et j'avais envie, pour le fun, comme ça... Alors, c'est un gadget, hein, c'est un gadget. Ne vous formalisez pas sur la réponse, parce que c'est plus un jouet. Mais c'est marrant, je trouve ça marrant et ça apporte un petit peu de fun. Pour ceux qui connaissent, c'est une boule magique, vous la remuez comme ça et ça vous donne une réponse là dans le petit œil noir. Pour ceux qui ont connu, il y avait le jouet de la marque Mattel qui était sorti il y a quelques années, c'était la Magic 8 Ball. On arrive encore à la trouver, mais elle est en anglais, on la trouve plus du tout en français et je suis dégoûté parce que j'en avais une quand j'étais ado. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Je pense que j'ai dû la perdre dans un déménagement ou et c'est dommage parce que j'adorais, c'est marrant, ouais, c'est marrant. Mais c'est un gadget, d'accord? Donc la réponse que vous aurez, ne vous formalisez pas dessus, c'est vraiment juste pour le côté fun, hein, histoire de rire, voilà. Mais ceci dit, va-t-on savoir? Peut-être que un esprit peut passer par là, utiliser ce jouet comme un vrai oracle et vous proposer une réponse qui sera en adéquation, peut-être. Allez, c'est parti tout de suite, les amis, on y va avec le livre des oracles. Donc, comme d'habitude, on se laisse porter par le livre. Et on y va. Allez, ici nous avons une carte de tarot et on a tiré le roi de coupe qui nous dit que la réponse vous viendra naturellement. Voilà, bah, comme ça au moins c'est clair les amis. Ne cherchez pas midi à 14h, ne cherchez pas à obtenir une réponse, la réponse se manifestera à vous. Et parfois c'est mieux ainsi. L'être humain, il a cette tendance, parfois un peu malsaine, à vouloir à tout prix tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser pour pouvoir tout appréhender. Non, mais c'est pas possible, c'est pas le reflet de la réalité. Parfois, il est préférable d'attendre que la réponse se manifeste à nous. Ça permet, eh bien, de développer certaines choses en nous, par exemple faire preuve de patience, etc. Mettre en place d'autres stratégies, d'autres possibilités, au cas où la chose qu'on attend ne se réaliserait pas. Au moins, on n'aurait pas attendu pour rien, on a préparer un plan B et un plan C éventuellement. Et là, on nous dit que la réponse viendra naturellement. Donc, cessez de vous inquiéter. Faites juste preuve de patience, ça va venir, d'accord? Donc si, je sais pas, vous avez passé un entretien d'embauche, et ben la réponse viendra, ça sert à rien d'harceler l'employeur, au pire encore, vous allez vous le mettre à dos si vous le harcelez. Donc voilà, à la rigueur, vous montrez votre présence, vous montrez que vous êtes là, hein, histoire de dire coucou, tu m'oublies pas, hein, je suis là. Mais n'harcelez pas, ça sert à rien, n'attendez pas quelque chose chaque matin, hein, par exemple, je sais pas, vous avez un colis depuis, je sais pas, 6 mois, ça sert à rien d'aller dans la boîte aux lettres tous les jours, hein, ça viendra. Quand ça viendra, mais ça va venir, soyez rassurés. Allez, on continue avec l'oracle de l'amour. Pareil, on se laisse porter par les énergies du livre. J'ai envie de me mettre par là. Alors, on a la chiromancie. Le chiromancien voit une ligne du soleil irrégulière qui nous présage un revers est probable. Ah, alors ça, les amis, c'est super intéressant. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que ça colle bien avec la première réponse qu'on a eue, que la réponse va venir naturellement. Là, on nous parle d'un revers qui est probable. Alors, les deux réponses peuvent être liées, mais cette réponse-là peut aussi s'appliquer sur autre chose, puisque n'oubliez pas que le livre traite des sentiments, d'accord? Donc là, éventuellement, pour une situation sentimentale ou émotionnelle, on est en train de vous dire peut-être de ne pas désespérer, que rien n'est encore écrit dans le marbre de façon définitive, et qu'un revers pourrait être possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, vous vivez telle situation, ça vous paraît un peu désespéré dans le sens où vous avez l'impression que ça ne va pas évoluer, que ça va rester comme ça. Mais non, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Les choses peuvent bouger, elles peuvent évoluer, parfois prendre une tournure à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Ce qu'on croyait être désespéré peut se révéler
miraculeusement, eh ben, se transformer comme une opportunité. Voilà. Donc ici, on nous parle bien d'un revers, quelque chose qui est probable. Après, le revers, il peut aussi être interprété dans l'autre sens, c'est-à-dire que, en fonction de ce que vous avez fait, la chose peut s'inverser, hein. Donc, si les choses étaient parfaitement positives, elles peuvent aussi virer dans l'autre côté, d'accord? Hein, le revers de la médaille, ça nous parle ici de quelque chose qui est réversible, quelque chose qui est versatile et qui peut s'inverser, qui peut se transformer. Ok, donc ici on nous parle bien de quelque chose qui n'est pas encore transformé, qui n'est pas gravé dans le marbre, mais qui peut au contraire se transformer. Donc ne vous formalisez pas sur ce que vous vivez à l'heure actuelle, les choses peuvent encore se muter. Ça se dit se muter? Non, ça se dit pas, muter tout simplement. Pourquoi se muter? Bon, allez, passons. On y va pour l'oracle quotidien. On va se mettre, tiens, par ici. Alors, la réussite n'est qu'un mot abstrait que personne ne comprend. C'est très vrai. Excusez-moi, je viens de bugger sur la phrase, mais c'est vrai en fait. Et là aussi, c'est drôle parce que ça rejoint tellement la vidéo que je vous ai faite, la vidéo Carpe Diem, hein. La réussite n'est qu'un mot abstrait que personne ne comprend. C'est vrai, c'est vrai. Regardez, je vais vous montrer la phrase. Mais qu'est-ce que la réussite? Quand quelqu'un vous dit, moi, j'ai réussi ma vie, d'accord, mais c'est sa vie qu'elle a réussi, selon ses critères à elle. Mais ses critères à elle ne sont pas forcément les vôtres. Par exemple, peut-être que pour cette personne, réussir sa vie, ça consiste à devenir PDG d'une boîte, à avoir le fameux beau mât provençal, vous savez, avec les volets bleus, hein, dont je vous parlais dans la vidéo, avoir trois berlines, quatre enfants, le labrador bien dressé qui va avec, enfin, vous voyez, peut-être que pour lui ou elle, ces critères-là, ce sont ces critères qui permettent de dire qu'il a réussi sa vie. Mais pour vous, est-ce que avoir trois berlines, être PDG d'une boîte, le mât provençal, est-ce que pour vous, ça correspond à avoir réussi sa vie? Non. Donc finalement, le fait de réussir sa vie, c'est effectivement quelque chose qui est très abstrait. Et il faut, pour moi, hein, tel que je le ressens, il faut que vous définissiez vos propres critères personnel, c'est-à-dire pour vous, qu'est-ce qui ferait que vous auriez l'impression d'avoir réussi votre vie ou qu'est-ce qui vous animerait à réussir votre vie? Et là, ça va vous inviter à une réflexion extrêmement profonde, à un travail également qui sera très profond parce que je pense que ça, si vous le faites en toute sincérité, cet exercice, ça risque de remuer plein de choses en vous. Parce que vous allez certainement avoir des concepts, des clichés qui vont voler en éclats en vous disant, mais c'est vrai, en fait, ça, j'en ai pas besoin pour dire que j'ai réussi ma vie. Et puis ça non plus, et puis ça non plus. En fait, de quoi j'ai besoin? Ben, d'être en bonne santé, d'aimer, d'avoir des amis, d'avoir des loisirs, de me réaliser spirituellement ou faire des choses que j'aime, je sais pas, après ça sera à vous de définir vos critères, mais là on nous parle quand même de quelque chose qui est extrêmement fort. Et peut-être que justement les deux réponses qu'on a eues là, qui nous faisaient un peu pa parler de patience, hein, pour vous dire les choses vont venir, eh bien peut-être que la patience que vous avez, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, c'est une façon pour la vie de vous montrer qu'il est temps de faire un bilan de votre vie et d'établir des points concrets, des choses à travailler, parce qu'aujourd'hui peut-être que vous voulez être sur tous les fronts, peut-être que vous postulez à plein de trucs, que vous voulez être partout à la fois, mais finalement vous êtes nulle part. Et vous ne faites que vous éparpiller et perdre un temps précieux, hein, pour justement réussir votre vie. Donc peut-être que la patience qu'on vous impose là, c'est une sorte d'épreuve pour vous faire comprendre, ok, maintenant pose-toi, les réponses ne dépendent plus de toi, tu n'as plus le contrôle sur le reste de ta vie, donc tu es obligé de te poser, de réfléchir, de faire un bilan et qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie? Que ce mot abstrait ne soit plus abstrait, mais devienne concret au contraire. Ah ben, c'est une réflexion très profonde, hein, je suis en forme, hein, quand même. Allez, on y va pour le petit instant magique. Donc là, je sais pas quoi vous dire, je sais pas si ce sera une réponse, si c'est un petit rituel qui va sortir. On va voir. Allez, on se met, tiens, par ici. Pourquoi je ferme à chaque fois les yeux? C'est bête ce réflexe. Il n'y a jamais de mauvaise façon de faire les choses. Ah bah voilà, au moins, bah, c'est, j'ai envie de dire, c'est la continuité de ce qu'on vient d'avoir avec l'oracle quotidien.
Il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses et ça résume tellement bien. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de votre vie, c'est vraiment vous qui allez définir comment vous voulez réussir votre vie et il n'y a pas de mauvaise façon de faire les choses. Il peut y avoir entre guillemets de mauvaises personnes, de mauvaises rencontres, de mauvaises expériences, mais en soi, il ne faut pas regretter la façon qu'on a eu de faire la chose, d'être amené à rencontrer cette personne, à avoir travaillé, à l'avoir aimé, à s'être investi, à avoir fait ceci, à avoir fait cela. Non, parce qu'au moment où vous l'aviez fait avec le cœur, avec l'envie. Personne vous a collé un pistolet sur la tempe en disant « Tu vas le faire hein. !» Non, vous l'avez fait parce que vous aviez eu envie de le faire. Donc ne regrettez pas ça, hein, même si ça s'est avéré après être négatif. Mais ça, j'ai envie de dire, ça, malheureusement, ça dépend pas de vous. Hein. C'est, là encore, il y a des leçons à tirer, il y a des expériences à tirer. Et là, je trouve qu'on a vraiment une phrase qui est très intéressante. Ne regrettez pas les choses qui ont été faites et il n'y a pas de mauvaise manière pour faire les choses. Donc, ce que vous allez mettre en place là, personne n'a à vous dire non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses. Non, alors déjà, ta gueule. Ah, on va commencer par ça. Hein. Et c'est ma vie, c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux, d'accord. Donc moi, je dirige pas la tienne. Non, donc voilà, tu vas te faire cuire des pâtes. Hein. Je sais que vous l'aimez bien cette expression. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de mauvaise façon à faire les choses. Là, il n'y a qu'une seule bonne façon de faire les choses, c'est la vôtre. Et personne n'a à dire quoi que ce soit. Personne n'a à discuter de votre façon de faire les choses. C'est votre vie, c'est votre façon de la vivre, c'est votre façon de vouloir mettre les choses en place. Et si ça ne plaît pas, et ben, allez faire cuire des pâtes. Allez, on va terminer, puisqu'on va se faire après le grimoire des oracles et la petite sphère magique. Donc on continue avec le petit livre de Lily. Donc comme je vous disais, vu les réponses qu'il y a, on a quand même pas mal de réponses fermées. Donc je vous invite à poser une question fermée par oui ou par non, mais qui soit pas trop fermée au cas où que la réponse soit pas totalement fermée mais un peu ouverte. Est-ce que vous m'avez compris, non? C'était pourtant très clair ce que je viens de dire. Vous n'avez fait aucun effort pour comprendre. Allez, c'est parti, vous réfléchissez à votre question et je ferme encore les yeux. C'est fou ça. Non mais je préfère en fait, ça m'aide à me concentrer. Tac, c'est probable. Donc la réponse à votre question, c'est probable. Autrement dit, est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que, ben oui, c'est probable. Par contre, selon la question aussi que vous avez posée, c'est probable aussi. C'est-à-dire que si vous avez posé la question, est-ce que ma femme me trompe? C'est probable. Hein, bah oui, selon la question, comment vous l'avez formulée, la réponse peut être cool comme moins cool. Allez, c'est parti avec le grimoire des oracles. Allez, on y va, je vais tirer une petite truc. Nous avons le soleil, l'ouest et le numéro 7. Et on va se mettre, je sais pas, on va se mettre, tiens, par là, gauche ou droite? Droite. Allez, l'ouest. L'ouest, le soleil, ça sera le coffre. Et le numéro 7, ça sera le numéro 5. Oui, c'est ça, 5, avec une paire d'ailes noires. Donc, coffre 5 noir. Là. Ce médaillon annonce... Attendez, oui, je suis bien dedans. Ce médaillon annonce un succès, de la chance ou la possibilité d'un mariage heureux. Elle peut également représenter un petit héritage ou un cadeau. Et la paire d'ailes noires nous parle d'un don. Donc préparez-vous, peut-être pour ce début de semaine, soit vous allez recevoir un don, soit c'est peut-être vous qui allez offrir un don, qui allez faire un don. Alors un don, ça peut être un don d'argent, mais ça peut être aussi un don de votre personne, un don d'énergie, un don des choses dont vous débarrassez justement et que vous allez offrir. Voilà, ça nous parle de don. Allez, maintenant, pour le fun, vous pensez à une question, pareil, fermée par oui ou par non. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour rire, hein, avec la boule, c'est vraiment un gadget, donc ne vous formalisez pas sur la réponse, d'accord? Allez, c'est parti. Et nous... Oh, bah, on a un grand oui. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, parce que c'est un peu délicat. Ouais, non, forcément, ça bouge parce qu'il y a en fait, il y a une espèce de dé à plusieurs faces triangulaires qui baigne dans un liquide. Et du coup, quand c'est bien à plat, on a la réponse, on voit la réponse. Mais si jamais je bouge, ça fait bouger le dé dans le liquide. Donc, vous ne verrez pas. Vous êtes obligé de me faire confiance. Mais c'était un grand oui, en tout cas.
Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de ce début de semaine. J'espère que ça vous aura fait du bien malgré tout. Vous avez vu que j'ai essayé de conserver un minimum de jovialité et de sourire. Et puis voilà, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos.